Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va changer un peu des vidéos d'habitude. On va faire une petite review sur une paire que je trouve, à mon sens, sous-cotée. Qui est sortie, je pense, début d'année, vers le confinement. Qui est passée un peu en loose day. Du coup, je vous laisse regarder la petite vidéo. Vous me dites en commentaire à la fin de la vidéo si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Et sur quelle paire vous voulez que je fasse une vidéo review. Et puis écoutez, c'est parti. Ok, donc je pense que comme vous avez vu sur la miniature de la vidéo, on va parler aujourd'hui de la Jordan 7 Air 2.0, donc la neutre à gris, donc qui est une référence à Bugs Bunny. Il y a déjà eu un coloris qui est sorti avant, je crois que la première paire est sortie en 1992 si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Et la Jordan 7, c'est une paire que moi je kiffe personnellement, du moins le visuel. Je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, en particulier celle-là plaît pas à tout le monde. Mais l'esthétique en général de la Jordan 7 plaît pas à beaucoup de gens. Mais écoutez, moi je la trouve très très clean. Je l'ai pas portée encore, je crois que je l'ai portée pour juste faire une photo sur Instagram. J'ai pas eu encore le temps de la porter, même si ça fait pas mal de temps. Elle est sortie le 8 avril 2020 avec un prix retail assez élevé de 250 euros. Donc moi je les cope sur sneakers directement lors du tirage au sort. Je sais qu'elle était disponible sur quelques sites encore. Je pense pas que maintenant elles sont encore disponibles, je sais pas vraiment. Donc c'est pas une paire qui se revend énormément, parce que c'est une paire justement qui a descendu du fait que je dise qu'elle est sous-cotée. Parce que là j'ai regardé sur StockX, encore une fois StockX c'est pas non plus la vérité, mais c'est quand même une grosse référence. Et j'ai regardé donc en ma taille en 44,5. Elle se revend à peu près autour de 170-200 euros, donc dans ces zones là. C'est vrai que c'est pas énorme comparé au prix retail qui est de 250 euros. Mais écoutez, je vais vous montrer que la paire est cool, la paire est belle, la paire a des détails et qu'elle mérite plus, elle mérite d'être plus cotée que ça. Écoutez, c'est donc, on va commencer par la boîte. Donc une boîte presque toute blanche, on a ici le logo Jordan, on a ce côté là, le tag de la paire, donc en 10,5. On a sur le dessus une carotte, donc je pense que c'est par rapport à la ref de Bugs Bunny, j'imagine. Derrière on n'a rien, donc c'est une boîte après assez simple. Quand on ouvre la boîte, on tombe sur deux papiers de soie différents. Donc on a un premier papier avec une impression, et on a du coup un papier de soie qui change d'habitude. Bon, je vous avoue, j'ai remis la paire dans la boîte pour vous, parce que la paire était sortie, mais bon, je me suis dit que voilà, fallait quand même la remettre dedans. Et donc on a un deuxième papier de soie totalement simple, et juste après, du coup, en ouvrant, on tombe sur la paire qui est juste magnifique. On tombe donc sur cette beauté vraiment incroyable. Je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Elle va pas plaire à tout le monde, mais regardez-moi ce upper qui est incroyable, vraiment. La fausse fourrure, je pense que vous voyez de toute façon, c'est une fausse fourrure totalement... Ah, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Je suis désolé, ça, c'est du génie. La couleur... vert pastel qui passe carrément incroyable. On a du coup le logo Jordan ici en rouge sur une... je sais pas comment on appelle cette matière. C'est un textile assez, assez élastique, un peu brillant, rose pâle brillant. On a du coup le jumpman ici. On a le logo 23 derrière de Jordan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La semelle du dessous, donc ça rappelle le papier de soie qui est juste ici. Alors je sais pas du tout s'il y a un... Je pense qu'il y a une ref, j'imagine qu'il y a une ref pour ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire au niveau de la ref pour ça. On a ensuite juste ici l'inscription 13001400 qui est la référence du premier coloris, du coup du premier coloris de la paire qui est sorti en 1992 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a des choses qui sont passées à moitié, on a des détails de partout. On a une semelle aussi qui est un peu plus jaunie au niveau d'ici comparé à là qui est vraiment blanche. Ça rajoute aussi un peu d'élégance à la petite paire. Ensuite, si j'enlève les petits pochoirs qui sont à l'intérieur, on a du coup donc on a une chaussette. C'est vraiment cette matière-là rose qui fait vraiment toute la chaussette, tout le contour du pied. Et on a du coup une semelle qui est très très jolie. Et là du coup ça rappelle vraiment l'impression de la boîte, enfin du papier de soie. Et écoutez, ça c'est un détail, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent clairement de la semelle intérieure. Mais moi je trouve que voilà, quand j'ai une semelle comme ça qui est travaillée, ça fait plaisir. Moi je suis désolé,
Ça voit que du coup la paire elle est travaillée. Je crois que j'ai une paire qui est pas loin, je vais vous montrer. C'est cette paire là que beaucoup de gens me demandent. C'est une Core Force de 2008. Et écoutez, si vous voulez que je fasse une review sur cette paire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, ouais, c'est pareil, l'intérieur, voilà. Il y a une semelle qui est vraiment, je trouve, recherchée. Et ça fait plaisir. Je suis désolé, je trouve, pour moi, voilà, c'est pas une semelle simple qui a été mise dedans. Le travail n'est pas effectué à moitié sur ces paires. Bref, je reviens donc à ma petite paire. Écoutez, déjà d'aspect esthétique, franchement, les gars, elle est folle. Vraiment, je suis désolé. Franchement, qui? Dites-moi en commentaire si vous kiffez ou pas. Vraiment, je suis curieux de savoir qui va aimer ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas... À la fois, elle est, je trouve qu'elle, moi, je la trouve assez simple dans le sens niveau coloris. C'est vrai qu'au niveau des matières, par contre, elle est travaillée de ouf, je suis désolé. Vraiment, voilà, c'est pas une paire, c'est pas une off-white, c'est pas une Sakai, donc il n'y a pas beaucoup d'engouement autour. Mais j'espère que vous n'avez pas passé à côté de ça. J'espère comment vous l'avez vu, qu'elle était sortie. Vraiment, parce que c'est fou. C'est fou. Voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est compliqué, quoi, parce que la paire, elle décroît niveau prix. Ça, c'est pas souvent que ça arrive. Sur une paire, je suis désolé, qui a beaucoup de travail, qui est quali, parce que là, franchement, il n'y a pas de pointe de colle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, vraiment. C'est bien fait, c'est... Puis voilà, c'est... je suis amoureux de la paire. Je suis amoureux de la paire, encore une fois. C'est pas possible. Je vous ai pas dit, mais dans la boîte, on a un délacé rose qui sont fournis avec. Ça, pareil, encore une fois, c'est du détail, mais ça fait toujours plaisir. Et après, il n'y a rien d'autre, du coup, mis à part la seconde chaussure. Ouais, de toute façon, c'est la même. Il y a les mêmes détails, pareil, le même numéro sur le côté, donc numéro de série. Et puis voilà, écoutez, moi je vais vous quitter sur des plans de la paire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que vous allez l'acheter ou quoi que ce soit. Dites-moi aussi avec quelle paire vous voulez que je fasse une review dessus. Et écoutez, moi je vous dis à très vite, abonne-toi, like, partage. Vraiment, là je suis en train de vraiment kiffer ce que je fais. Ça fait vraiment depuis le début 2020 que je kiffe ce que je fais. Que ce soit dans les toiles, dans les dessins, dans les photos que je poste, de parler avec vous, etc. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. YouTube... vraiment, j'adore, je kiffe de ouf. Et écoutez, partagez à fond. Moi, je vous dis à très vite. Peace.